Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que ben, c'est jour de match, jour de vlog. Aujourd'hui, le RC Lens affronte 3. C'est le 11e match où le Racing Club de Lens est à guichet fermé. Donc, c'est juste incroyable. Ensuite, c'est peut-être le 21e match où on ne va pas perdre. Hein. Je vais pas parler trop vite, j'ai pas envie de porter l'œil, mais une série de 20 matchs sans perdre, c'est incroyable. Surtout quand tu vois dans cette série, il y a l'Inter, il y a West Ham, il y a le PSG. Ok, oui, Inter et West Ham, c'était des matchs amicaux, mais ça reste incroyable quand même. On a appris que Davor Machado, malheureusement, il se prend 2 matchs à cause de son carton rouge. Ensuite, ah ouais! J'ai gagné. Seko Fofana a fait un maillot. Ah, j'arrive même plus à parler tellement j'étais contente de ça. Seko Fofana a fait un concours sur Insta pour gagner son maillot. Vous voyez quand il a prolongé jusqu'en 2025 là. Il avait mis un maillot Captain Seko 2025. Il avait fait un concours pour le gagner sur Insta. Et j'ai gagné. J'étais super contente. J'ai pas encore une nouvelle sur quand est-ce que j'allais le récupérer. Mais j'ai hâte de vous le montrer. En tout cas, j'ai hâte de le recevoir. Enfin, ou d'aller le chercher. Je sais pas du tout comment ça va se passer encore. Juste avant d'aller au stade, je dois vous parler de un petit truc qui va peut-être vous intéresser. Je pose le téléphone et je vous parle de ça. J'ai pas décalé de beaucoup en fait, j'aurais pu le poser dès le début. Je suis vraiment trop bête. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise qui s'appelle A5 Foot et qui vend des maillots répliques du coup beaucoup moins chers que ce qu'on trouve en boutique. Bien sûr, c'est des répliques, donc c'est pour les personnes qui veulent pas s'acheter des maillots à 80, 100 € etc. Ils font des survêtements, des maillots de cette saison, des maillots vintage aussi. Dans ma commande, dans mon colis, je vais pas vous le montrer maintenant parce que mercredi, il y a la vidéo unboxing qui sort. Mais j'ai pris un maillot vintage. Bon, c'est pas des maillots de Lens que j'ai pris, bien évidemment. Mais je dois vous montrer un exemple. Je vous spoil juste sur un maillot. C'est pour mon neveu de toute façon. C'est un maillot du Real Madrid. Donc vous pouvez déjà voir que ben, la qualité elle est pas mauvaise du tout. Hein. Et d'habitude sur les maillots. Oula, mon écran il bug un peu là. D'habitude sur les maillots répliques, les flocages ils sont nuls. Mais là j'ai trouvé que le flocage était. Ben, j'étais surprise parce que le flocage vraiment il est bien fait. Et sur les autres maillots que j'ai pris aussi. Du coup vous verrez l'unboxing mercredi. Les maillots sont en petit prix. En plus j'ai un code promo Marie. Qui vous permet d'avoir 10% sur le site. Donc déjà que c'est pas cher, avec un code promo, c'est encore mieux. J'espère que ça vous intéressera. En tout cas, j'ai fait ce partenariat pour vous parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé si je connaissais pas des sites où il y a des maillots de bonne qualité qui sont pas chers. Et du coup, là, j'en ai eu la preuve en faisant l'unboxing que c'était de la bonne qualité. Donc, si ça vous intéresse, je mets le lien dans ma description. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve au stade. À tout de suite. Bon, par contre, il pleut fort, donc si ça continue comme ça, il n'y aura peut-être pas de vlog. C'est assez chiant. Putain, le temps de merde, j'espère vraiment que ça va s'arrêter. Hein. Bon, en tout cas, j'essaie de filmer à chaque fois quand je suis en dessous d'un petit abri. La pluie, elle a pas l'air de vouloir s'arrêter. Là, pour l'instant, ça sent pas très bon. J'espère quand même qu'il y a des petits moments où ça va s'arrêter. Bon, du coup, on arrive un peu tard parce qu'on est passé à la friterie. Mais au moins, il n'y a personne à la grille comme il y a pleu. Le temps, il a l'air de sentir bon. Oh!
c'est la fin du vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis crevée là. Moi en tout cas, ben, il m'a plu, on a gagné, c'est normal. On est premier provisoirement, c'était incroyable. Je vais pas parler de l'arbitrage parce que ben, je pense que ceux qui regardaient le match, ils ont vu quoi. Alors là, on a 21 matchs consécutifs sans défaite. Alors c'est juste incroyable la série qu'ils sont en train de réaliser. C'est un truc de fou. Ça va, je suis contente, j'ai pu faire mon vlog quand même. J'ai pas trop été embêtée par la pluie, à part en fin de match. Mais bon, il restait 20 minutes, enfin non, il restait 10-15 minutes, alors ça va, on va pas se plaindre. Je suis contente de quand même avoir pu filmer. Du coup, nous, on se retrouve mercredi pour l'unboxing de ce que je vous ai parlé en début de vidéo. On se retrouve mercredi et dimanche à Nantes. Première fois pour moi que j'ai là-bas, j'ai trop hâte. À mercredi. Bon, en fait, j'ai dit que je parlais pas de l'arbitrage, mais en fait, je suis obligée d'en parler. Gradit, il est absent jusqu'au mois de janvier. Enfin, il s'est cassé la clavicule et l'arbitre, il a même pas sifflé faute. Enfin, même la VAR, elle n'intervient pas. Enfin, c'est ridicule. Ridicule. La VAR, elle sert à rien. La VAR, elle est utilisée que pour les gros clubs. Voilà. Du coup, c'est dommage pour Gradit. C'est pas grave. À mercredi.